Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tirer la bande de combo. Dans ce là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté la bande de au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le coup la bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Mai 2024, autrefois célébré le Kola fête ya libération pour nako marqué bongo bokoti ya afdel namboka Congo pe na Kinshasa le 17 mai et Izali depuis 2019 le Kola journée consacrée na révolution pe na ba FRDC na boende topesi makasi mingi na ba ba vaillant guerrier na biso surtout ba bazali na front bazali kolala te pour na kobate la ekolo pe kobate la ba frontière na biso journée ango ezali sommet payé na étendi mobimba ya République démocratique du Congo nde bongo biso toye pour na kozonga vraiment na mozindo na etali ba question d'actualité. Bonjour et bienvenue na émission ya mokona lelo bande ko balansi amis téléspectateurs ba compatriotes congolais éparpillé à travers le monde. Nalibanda tona katia mboka boye bola mbote nabino obanso. 15 morts pe 4 blessés. Wana bilan ya accident de circulation ou eselemaki lobi moleki na 11h na niveau ya Badarakuna non loin ya aéroport ya international d'Onjili wapibisi ka camion moko o bandaki komi mabasaki ya sima e baki bongo kokutana na camion topé véhicule Mercedes marque 207 wapibisi ka bato ebele babungisaki bomoi na bango e lobi moleki na basango président Tshisekedi akutana kibongo na tata cardinal wapibisi ka basololaki pendant plus de 2 heures pour na koeclairer opinion sur ma réunion, c'est bandai collègues sur les réseaux sociaux. Il y a plus de malentendus que de vrais problèmes à la Chaki Bongo. Tata cardinal, quand il s'est que intérêt, il y a beaucoup de zali comprimé na nyonso. Campagne électorale, les zali kokoba na kati ensemble national wapibisi ka élection ya bureau définitif les zali bongo le 18 mai topi lobby le samedi 18 mai kasi consensus autour ya ba candidature o ezala ki retenu na na commission et sangana ki bongo pour na traitement ya ba dossier yango ezwa mina noté groupement ko ya ba député ya union sacrée ba telemeli bongo présidium pe décision na bango entre autres bazali ko luka ko kwesa bongo bureau d'âge o ezali ko kambama nandeko Christophe Omboso bango balobi ke bango union sacrée pe présidium bazali ko salela bongo ba méthode ya Mobutu pe ya Kabila ko s'imposaka ndeti n'époque ya MPR tokozongelango na mozindo mpona koyeba situation yango e ko kende lolenge kani et le président dans tout ça. Pourquoi ce silence? Dossier forage et lampadaire processus procureur général près la cour de cassation à Sengi Bongo Assemblée nationale a levé ba immunité ya ba immunité parlementaire ya Nicolas Kazadi pour na ko engager ba poursuite judiciaire pe ko ba nini et salemaki réellement autour de ces dossiers. La question du jour 5 mois si ma bokoti na ye na pouvoir
savoir pourquoi retard ya makasi na wetali installation ya ba institution est-ce que ezali signe ya mabete pour na deuxième onde ya tata mokambi ekolo alors que la population azali kozela mingi surtout na six engagements o azwa ki melelo 5 mois déjà eleki tozo kene na 6e mois katikati ya mbula pourquoi nyonso esalemete pourquoi nyonso ezali evandite pour que mboka eba ko démarrer pe ko fonctionner normalement tout le bela Congo la tongo ya lelo toza bonlande ko focus kukelema ezali moko ya bactère politique ya mboka na biso pe mwana mboka ezala kapenza moto ya mayele ndenge toyebelie ndeko focus mbote pe bwa mbote mama journaliste kombo na ngai focus kukelemena katiobo na lingaka mingi babenga ngai na kombo ya politologue de la république. Ok, merci beaucoup pour l'invitation na pesi mbote na équipe technique et zoa biso en charge balandi o bazo kolanda biso en direct pe ba oyo ba kolanda biso na ba réseaux sociaux na pesi bino mbote bipanyo so bino bovandi esengo na ngai ezali ete na bengisami awa po na lobela mboka république démocratique du Congo. Oyo ezali wapi pa motema na ngai ebetaka ngonga nyonso. Très bien, merci beaucoup mon amboka pour la correction. On déco focus uta le 17 mai 2019 journée à lelo ezali sur ce journée ndenge ezalaki kokanisa biso entrée à AFDLT lelo tokomi ko célébrer ba force armée république démocratique du Congo. C'est vrai que ezali journée chômage payé pour na étendu ma république na biso journée à lelo za ko rappeler au ninito fondement na yango s'il faut kozonga na rappel historique. Bon, na rappel historique, il est à noter que nous étions dans une situation oyo régime oyo ya ndeko Mobutu oyo salaki 32 ans à pouvoir et zalaki régime moko oyo etiaki misisa na yango pour na juste ko protéger bokonzi ya la personnalité du président ou azalaki président ya imper ou azalaki automatiquement président de la république et puis la suite logique ya gouvernance ou wana il était obligé de lui-même de créer une philosophie de gouvernance ou ezali en antipode avec la république, c'est-à-dire la république aime bien être démocratique. Mais il y a un monarque qui a installé la République, qui a veillé à la dictateur, qui a été considéré comme c'était lui le père, sa femme était la mère, et que tout Congolais était fils ou fille du maréchal. C'est pourquoi, au moins, le slogan est d'ailleurs limpide, facile pour prononcer, papa beau. Moko, mama bo, moko, ekolo bo, moko, bokonzi bo, moko. Donc c'est-à-dire, c'est très dangereux. Prendre toute une nation à une considération infantile. Donc biso nyonso, banana ye, ye papa na biso. Moi si na ye, ne mama na biso. Pouvoir moko et puis pouvoir yango ezali oyo ya ye ezali ya souveraineté. Donc tout était en antipode avec la démocratie et il n'était pas seul, il était accompagné de ses lieutenants oyo ba instauraki eloko tobengi oligarchie. Oligarchie c'est-à-dire système ya gouvernance oyo ke mboka mobimba ba institution richesse ba avantage ba privilège ba confiné yango ba botoli yango ba sali prédation pour kaka na un groupe d'individus. Alors groupe d'individus wana bazali na ba mission sectorielle juste kaka pour que le père oyo azoma ki Mobutu a kende kovanda na kimia, a pérennisé pouvoir na ye, seko na seko kuku ngwendo. Alors, il est arrivé un moment, avec l'énergie, il y a
ma recherche, il y a ma voyage, il y a ma communication, il y a média. Et ça les maquille. Bato ba supporta qui les sous le lenge, il y a et ça les liwanate. D'où malheureusement est née cette opposition de l'IDPS. Alors, na lobaka yango, pe na linga kato sulu la yango. Na kola ki sa ete, so ki ba benga ka IDPS, fi ene de l'opposition mobusienne, parce que il faut ko souligner yango bongo. Na linga kate phrase wana isuka ke, fi ene de l'opposition. Non, là c'est pas correct. So ki ba lobi, atakutu, na forma moko, et un peu plus acceptable parce que au Kobo Sanateke il y avait une opposition à Mobutu qui était en exil, donc les Lumumbisme, les Mumumbistes, Bango Bazaki en exil, c'était une opposition. Comment déjà à l'époque on pouvait identifier la fille aînée de l'opposition Ezala IDPS et pourtant bah, animateur Nyoswa IDPS, ils étaient dans l'impère parce qu'il y a dignité il y a impère mais tu as dit que si manango bah bima qui va s'opposer qui catégoriquement na manière de faire il y a voilà la petite nuance wana pour la terminologie wana baloba que fille aînée moi na ya liboso il y a opposition mobutienne or que Mobutu avait déjà des opposants pendant que Tshisekedi et ses amis étaient dans l'impère. Déjà, il y avait une opposition qui existait, il y a balumbumbiste. C'est quoi bango balumbumbiste wana soki IDPS o yebuta manasi mana bango et comme fille est née, bango soko ba rozala. Ba fils est né ou bien ba rozala banani. C'est pourquoi j'aime bien souligner que ba tout ba ça la nuance, la différence parce que ekolinga effloué histoire politique ya mboka na biso. Ça c'est très important. Et détail a mi balé na linga kakola ki sa ete opposition ya IDPS ezala ki opposition moko e botama ki malamu te. Comment e botama ki na défaut idéologique. C'est-à-dire que partant de 13 parlementaires voilà, jusqu'à ce que IDPS et botami voilà, les 13 parlementaires bazala ki ba dignitaire parmi eux les députés et parmi eux des gouverneurs parmi eux des ambassadeurs, parmi eux les ministres et consorts. Donc, mais mécontentement, il y a pas dignitaire, il y a régime contre l'oligarchie et contre la dictature mouboussienne, bah yé kozoa credo, bah yé komi komi ça, bah socialiste. Ça, c'est un défaut. Oyo, IDPS et Botamanango. L'IDPS n'avait pas cette énergie du socialisme na ancrage na yé. Parce que les 13 parlementaires ne furent en aucun cas des ouvriers. Parce que ceux qui ont kei, yekola, le socialisme a un fondement, a une approche historique. C'était la revendication des ouvriers, non pas auprès de l'État, ou bien d'un dictateur, ou bien d'une oligarchie, non. C'était une revendication des ouvriers auprès de patrons, oyo, bato, babengaka, ba capitalistes, les bourgeois, ba bourgeois, on a bazala qui paye, ba privé. Mais ce qui aujourd'hui, réalité, il y a 13 parlementaires en face, un dictateur avec les oligarques, Bakindeko Botama, comme les socialistes, là, c'est un défaut de leur naissance sur le plan idéologique. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis que IDPS s'est déclaré socialiste, sociodémocrate, jusqu'à aujourd'hui, Bakokana nous pratiquer politique publique était allant dans le sens il y a lutte il y a bas ouvrier il y a lutte il y a bas syndicat parce que au Komona que lutte il y a bas ouvrier
et ça sera porté par le syndicat. Le syndicalisme n'est force. Il y a socialisme. Mais après, tout le monde est de paix. C'est le bon parti. Il y a base, il y a population, bah, combattants, bah, c'est vrai qu'au départ, il y a des bon côté. Mais après, tout le monde est de population qui s'est. Mais quelle catégorie il y a population? Parce que l'idéologie est le langage, il y a type, il y a classe sociale. L'idéologie est le lié. Ils allient langage, ils allient expression, ils allient stratégie. Il y a survie, il y a une catégorie des personnes, des individus dans la société. Idéologie, ils allient leur moro éparpillé. Parce que quand on vous dit le socialisme, c'est-à-dire que c'est un langage, c'est une stratégie de lutte, de combat des ouvriers. C'est clair. Ce n'est pas toute la société. Non. C'est comme on vous dit, le capitalisme, ils allaient payer un langage, une stratégie, une formule pour l'existence du patronat. Donc, c'est-à-dire que, au coquille, aux alatés, idéologie, moko, au extendre en gros, toutes les catégories, non, chaque catégorie humaine, chaque société, a son style, a sa manière de survivre dans la société. Et de ce fait, idéologie bota makawana. Mais s'il faut avancer, s'il faut avancer des cofocas, la question se pose, est-ce que Afdel, au côté qu'il est 17 mai, il y a qui solo libération, topé, il y a qui manque un problème, ou qui s'amuse parce que au peintre tableau un peu noir, il y a régime Mobutu, et ça qui caractérisait la dictature, peu bon, on a bon. Mettons, Afdel, il y a une population et gang qui libération. Mais après, on apprend que c'est grâce à Topé Antila Afdel de Ebena Makambo Est et Bandaki. Est-ce que ça qui solo libération, Topé Zala qui manque un problème ou Tobaksa qui de plus? Oui, on peut répondre au même moment, non, oui. Et puis, au même moment, non. Pourquoi? Parce que, dans le principe, en réalité, dans le contexte où il y a société, ce qui est à côté de la société, et qui est en train pour que nous réellement libéré, il y a moko société wana. Ne abimisa énergie na ye ya révolte contre moto oyo azali ko maltraité. Mais so ki lokola moto oyo abengami moumbu azako luka libération. Mais azali koze la ke libération wana ezala énergie na ye personnalité e outa epai ya mosungi mosusu ayako libéré ye. C'est-à-dire, à recommencer la situation, à recommencer la situation que, bako libéré yé na bourreau ya liboso, mais à recommencer esclave ya bourreau ya sika. Parce que moto a libéré yé, à cause de sika, ya moto oyo abadaki ko konza epe konyo kola ekala. Parce que, dans les champs politiques, il n'y a pas d'action sans intérêt. Tout ce que un acteur politique peut poser comme acte, c'est-à-dire, à sa cause là, li tomba moko songolo pakala. Ne yango komona, li kambouya Afdel, et ya ki kolongo la biso, na monyoko, na bokamba miyababe, ya régime, ya Mobutu. Ça c'est un fait, parce que to mona ki, Mobutu kozwa avion, to mona ki batona yiko katisa ebale, to mona ki système na yiko zala, ko panzana. Oui, de comment qui libérer de ce point de vue là. Mais ba libérer biso na bokonzi pe boumbu oyo ya Mobutu. Mais ba komisi biso ba si j'ai les sousou ba esclave mon sousou oyo ti lelo to kokiko lo bayango pamba te souka na likambo bomba bomba mabe muze ye moko ayiko lo bayango. On ne peut pas trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Quand il disait cela, il s'adressait à qui?
il s'adressait au tenant du projet AFDEL. Parce qu'il a compris que AFDEL, les Ali Mouvement Moko, il y a Baito Mosusu, il y a Baike Mosusu, Bayaki, Ponako, Bengana Mobutu, Bango, Bakonza Ekolo Congo. Na lolenge na bango. Parce que, en réalité, la libération est kokaki kozalate libération yabapaya. Parce que cette force d'Afdel, bien que par la stratégie, bazwaki, bakonzi, ya bakongole, batye bango pour maquiller, mais en réalité, c'était un projet d'ailleurs. C'est ce projet-là que Lumumba avait dénoncé depuis. Que la Belgique, quand il disait la Belgique, c'est-à-dire que l'Occident a préparé la balkanisation. Il a fallu qui projet Wana et s'est matérialisé un jour. D'où l'entrée à AFDEL était venue pour que Iloko Wana et la Tanzanie. Mais est-ce que l'AFDEL est responsable de la situation sécuritaire au toujours vivre à l'élo? Mais AFDEL, oui, parce que ce qui au Taliban est l'élément est belé. Parce qu'il faut nuancer. Il y a eu infiltration au Congo des éléments. Il y a ma force, il y a Libanda, avant que AFDEL ait à Kota. Mais AFDEL est là qui structure mon corps par excellence. Oyo eyaki naba instrument naba matériaux il y a réalisation il y a projet yango tozali koloba na zongeli yango la vraie libération il faudrait nécessairement que moto o azali na boumbu ye moko aluka bonsomi na ye par son énergie contre son bourreau mais moto oyo akei koluka lisungi ya moto mosusu aya kobimisa ye na moumbu moto wana asali démarche ya kolongola bilamba ya Saint-Pierre akei kolatisa yango Saint-Paul. Très bien. C'est-à-dire qu'il va se trouver être libéré auprès de Saint-Pierre mais pour devenir l'esclave de Saint-Paul. Merci beaucoup Ndeko Focas pour l'explication na Mozindo Penza sur historique ya mokolo ya lelo. C'est vrai que tozo célébrer nde ba FRDC na biso, tozo célébrer journée ya révolution mon amboka Ndeko Fumototo Basanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nayo, maman, bonjour Ndeko Focas. Bonjour na basoda na ngai baza na fond kuna et puis makila oyonga na sopa ki mukola lelo yango yo yango pe na zo bunda po na sopa le susute. 17 mai, quelle est la place qu'occupe cette journée ou soit date ya lelo na o etali histoire ya République démocratique du Congo? Donc la date o ezali loko la badate na kati ya histoire politique ya mboka na biso ezali malamu mais ezali mabe mais parce que trois ans lobby rien n'est totalement bon ni totalement mauvais to pesa na bola mo ya le 17 mai na ko pesa bola mo na yango il faut to ye banano kokota na Mozindo alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo il y a pas une seule force de Bundisaki, pour nous recueillir ça, Mobutu. Mais nous avons lobby alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, c'est-à-dire que plusieurs forces de mécontentement à l'interne, Namabe Mobutu, Asaleke le Kaki, et d'autres forces à l'externe, c'est-à-dire les Burundais, les Rwandais, les Ougandais, des Salaki face à l'armée à Mobutu. Et là, on a révélé que l'armée de Mobutu était aussi puissante. Parce que ceux qui étaient armés faibles, on ne pouvait pas faire une coalition des armées pour combattre cette armée-là. Donc, et le quoi, les et le quoi, mi balé. Et comment qui bongo ndengenini? Et comment qui bongo moutoumo kote azo nier que Laurent Désiré Kabila n'est pas acteur politique et ambokaoui? Adala qui quoi aspiré na pensée ya Lumumba na politique naye, pe adala qui moko na balandi, badaï kolanda idewana. Kasi adala qui d'accord te.
na ndenge ka Mobutu azalaki ko gérer mboka awa nde d'autres thèses disent que ça va bandagi ni solo ba ekokoti sa ye mais nga na lobika ka yenda bandagi pona nini soki to bandi ni solo soki lui ne représentait rien en lui-même parce que mon y partait à livrer nga na zo corjo na komi na place mutasambela ka nzambe to mutasambela la kombo na nga na zolo ba que si votre propre nom n'est pas sanctifié même si celui de Dieu est sanctifié parce que votre nom est sale ne remplit pas les conditions d'invoquer Dieu nzamba koyokela yote mais que ce soit qui yo mokoza propre peut aussi remplir ba conditions koyokela nzambe nzamba koyokela donc Mose avait une pesanteur ou une affinité qui pouvait permettre aux gens qui voulaient faire quelque chose à Bengana Mobutu même à leurs intérêts mais babona que qui remplit les conditions d'être à la tête ayaki maintenant comme question non ils appellent question ya date wana bulamu nango ezali nini soki date wana ezalaki te Mobutu partirait certainement du pouvoir mais ne partirait pas le 17 mai et de cette manière là bon soki date wana ezalaki te Joseph Kabila peut-être ne deviendrait pas chef de l'État et on n'irait pas aux élections en 2006 et 2011-2018 et le président Tshisekedi arriverait peut-être au pouvoir mais autrement or na spiritualité to na exode politique c'est-à-dire une nouvelle discipline et na science politique ezo linga que to tenir compte na ba ordre mususu surtout métaphysique pour na ko étudier les faits politiques parce que tout le monde a Hérode pose un geste politique et Jésus ba kangie mais yaye a sokoli maboko que c'était innocent na okota na magambo wana te c'est un acte politique posé par un opérateur politique mais dans le fond c'était le songe de sa femme qui lui avait dit kokota na makambo ya mutu wana te c'était innocent alors il y a un adage qui dit les hasards n'existent pas sauf si les divinités refusent de révéler leur nom c'est-à-dire que le 17 mai ils allaient accidenté tokutala que Mobutu a eu pouvoir nouveau régime fait un nouveau régime ça en moi ni ils en a moi demain et puis fait un changement à régime yango ya nouveau régime oyo kokwe isamboka et memeli biso changement national et memeli biso de changement ya kombo ya mboka parce que le 17 mai le ngoli biso na la Zéroise et tie biso na debu congolais le 17 mai et le ngoli biso na république de Zaïre et tie ezo ngisi biso na république démocratique du Congo le 17 mai échanger kombo ya monnaie hein ezalaki Zaïre et comme franc congolais le 17 mai et mimi makambo ebelé na kati ya bomoto mais donc qu'en disent que ils ont représenté journée allélo ils ont représenté et bandeli infiltration na mboka na biso comme infiltration ezalaki liboso parce que il faut que tout justifier le lot bon nini directeur de cabinet à yambo ya Mobutu il paraîtrait qu'ezalaki rwandais okay. Et bon nini Mobutu alobaki même avec le diable hein na ko signer ba accord et bitumba o salema ki moba 1 moba 2 na bitumbo salema ki nyoso izalaki pe avec Fidel l'Afden n'était que une des guerres donc c'est banda déjà nango kala maintenant to na lobaki total en aspect positif okay. Les 7 mai les 17 mai les lotu koko sakana nango susuté parce que nous l'avons déjà baptisé la fête de l'armée congolaise yango na yena rouge pona ko célébrer armée nangai ki armée nangai eza makasi armée nangai eza na lokum armée nangai ekokoma sous makasi koleka donc même ceux qui datent entre le lokota ki yango même ceux qui sont dans la faute d'autant plus que to fêter le 17 mai là na outi na rompre du canon non pardon je m'excuse na c'est le wana ki sangali na outi na rompre oyo babe ngani to no benga kala rompre ya chetemba non forescom non et comme ce qu'on nini logo ni nezawana deseni nezawana ezali mukonza mboka lansaki place wana po to de dia ka mukola lelo na force armée wana ezali ba aspect positif ya le 17 mai 17 mai et mema biso na ko Mobutu ko tuna muze ko tuna Mobutu qui t'a dit que tu es Dieu Mobutu seko kukungwendo wazabanga nous arrivions à confondre l'état de Mobutu et l'état du pays. Le 17 mai, il a dit que on ne peut pas se moquer de son peuple. Il y a des gens qui ont un adversaire politique, même un ennemi politique, mais il dribble le peuple. Mobutu a commencé à faire des choses et un autre Congolais l'a défié. Et c'est arrivé que non, ce n'est pas comme ça.
wana eza ba aspect positif. Rapidement, tout avant c'est négatif. Non, aspect négatif. Ok. Aspect négatif, c'est que les 17 mai, ils ont libération. Ils ont révolution. Ils ont 17 mai, Oyo, une rébellion a humilié notre armée. Parce que si notre armée était puissante, une rébellion ne pouvait pas arriver au pouvoir. Et je suis au regret de constater qu'on puisse prendre la date de la victoire d'une rébellion sur notre armée et comme date de notre armée. Ils arrivent mal à monter. Donc, qui est ça? Deux, une rébellion, ils arrivent. Mouvement interne, il y a pas d'amboka, basa d'accord, t'es dans le lingue, moko baso kambamboka na bango. Mais ceux qui bozo bundisa mboka na bango, bino, bozo bundisa mboka te bo bundisa ba kambi amboka na bino. Pourquoi comme ma ba étranger peut coacher à bango tina sirete de l'État? James Kabarebe a été qui ici? Et aujourd'hui, na Rwanda zanane. Mouze a mal négocié la facture de chasser Mobutu. Donc, thérapeutique à Kendeko Luka pour nous soigner malade, bomi malade pour cela infiltration et zalaka mouke, mais où il s'allait, mais après Afdel et il s'allait grave défaut n'ango yé moko terre n'ango sollicité ou personnel Moussa Lobinin Afdel et za conglomérat hein, des opportunistes et d'aventuriers. Donc, comment y'a eu le loup aux obéga au bout d'un aventurier et tous amènent une bande d'aventuriers et aventurisme ba memaki yango tiki ba frontière na biso poreuse tozo nyo kwa malelo Afdel RCD comme M23 PPRD bango nyo so mais ce qui Afdel moto azata tata père biologique to si voulez idéologique ya PPRD non parce que père pe o ezala ki parti mubu muza za ko bunda nango PPRD melaki yete. Hein? PPRD, mais là qui est? Bon, PPRD, nan a signé qu'à quoi dans la CNDP. Nan a signé qu'à quoi la partition en Boka. Donc, les lots, Afdel, et Tiki Bisson a porté, et bon, mais les Bisson d'abord, Mouze, ou Egnaï. Et Mouni, n'habitez pas, il y a un nombre d'amis, tout canabiloko, battu, Mkolo Afdel, et Nenini, et Zako Kende Rwanda, Zako Kende Banda en Boka. Afdel et Bomieli Bisso, 17 Baba Mayel et Banin, Bab Soda ou Badaki Amael, Obakoebsa Mobutu, qui est dans la condition Tokomi, nous vous demandons de partir et de quitter le pouvoir en protégeant le sang des Congolais. Donc un militaire, s'il arrive à dire discipline, oui, commandement, oui, mais Batoubakoukou Febele, ni tete Afdel, Mayel et Mbele, Mayel et Nazo Salambokalelo. Afdel et Memela Bisso, Rwandais dans le pouvoir. Afdel et Memela Bisso ba Ougandé na pouvoir. Afdel et Tikeli Bisso ba parlementaire étranger na kati ya parlement. Afdel et Bomi Sirete Amboka. Or, ce côté qui Sirete Amboka, le pays n'existe plus. Donc, voilà un peu pourquoi nous avons lingaté ngai comme individu. Date ou anela tarmé nanga. Et bah, tu veux dire qu'il faut que l'on ait la date, puisque sinon, on va s'en aller ici. Donc, il y a un peu de temps comme une des dates na Amboka, mais comme la date et la phase. Pardon, il y a par décès. Non, il y a un peu de temps pour célébrer le 17 mai et comme fête de l'armée congolaise. Qui a fait quoi ce jour-là? Très bien. Qui a connu des fêtes? Merci beaucoup, Ndeko Fumontoto, Maton Domingito, avancé. C'est vrai que Ndeko focus sur ces plateaux a bêté les bussos au moins apport et à opposition de l'époque. Na au état du mouvement, il y a Afdel, ni le Bongo Basalaki, Ndeko Fumontoto, pas repéré, c'est bussos Makanisnaé. Na au état li opposition, il y a époque Wana, notamment l'IDPS. Tout l'obéla Bongo, question d'actualité, au résultat la Bongo installation et institution. Depuis un moment, même Bandeko, le Parlement, parce qu'à chaque époque, il y a un père. Pour Nabango, le mot boutiste est zongi parce que imposition et mati makasi, notamment la Haute-Italie, soit il y a ba candidature, ou il y a un bateau, un bureau définitif et assemblée nationale. Est-ce vrai ou faux? Pourquoi ce silence de la part de Tata Mokambi et Kolo? Pourquoi depuis 5 mois, l'installation, il y a institution et ça, les minanotés, alors que nous, c'est ça, urgence dans le cannabis, on est focus. Malbombo Kayo, lecture na yo ezanini sur cette question. Nazoya na question ana mena na le kananzila oyo ndeko fumututu aliki pona bimisa
biloko mi balemisato ezilongo bani to loba yango lelo ya liboso na dingi ko lakisa ndeko fumutoto ke effectivement na suka nango aye ko zongisa susu maloba ete po alinga ki liboso a démontré que armée ya Mobutu ya lagi makasi pona nini parce que ya yi une alliance et salemi pona ko combattre armée wana. Donc, par le fait que alliance et salemi, pour nous comprendre armée moko, c'est-à-dire que armée wana ezala ki makasi. Mais pour nous conclure que armée ezala makasi, ezali le fait ya qu'observer victoire na bango sur menace oyo ezali en face na ye. Parce que la force des armées, c'est de pouvoir mettre hors état de nuire toute velléité, il y a menace. Parce que c'est pourquoi yenanga ayebi to bengaka armée lokola Léviathan. C'est un monstre puissant qu'on ne peut pas fléchir. Or, ce qui totali, en réalité, cette armée n'était pas une armée forte. Au moni, battu à Afdel, battu à Est, battu à Svaloba, que c'était une promenade de santé. Donc, bah, koti, bah, bandi ko avancé, bah, occupé, bah, territoire, le col à paix, ma sa si paix, mingi, za, bobetate, bah, koliga, kaka. Si, y avait les. Bah, en octobre 96, mai 97, bazar à Kinshasa. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'était une façon à redémontrer qu'il n'y avait pas une armée forte. Peut-être que Koka Kozala, une fiction d'une armée forte, parce que Mobutu, c'était un dictateur qui ne faisait que faire rêver la puissance. Nandenge ya stratégie, nandenge ya communication, nandenge ya symbolisme, et que lui-même il était le roi léopard, il pouvait déchirer Kokanga Lion na maboko, Bomayango, tout ça. Tout ce totem là autour de lui pouvait donner l'image que lui il était fort, son armée était forte, et ainsi de suite. Mais en réalité, dans le fond, dans les faits, faiblesse est monanaki. Et puis, Ndeko, Tango, Mobutu Atako Kende, Atika ki budget en Mbokana Kombe, 300 millions de dollars. Namboka lokola Congo, ce qui déjà Nkita ya ekolo ezali 300 millions de dollars. Armée à kovanda na moboku ya motango boni pour akende ozala armée forte. C'est impossible parce que la main forte signifie un budget fort. Mais tout tanga na histoire de Kofokas que armée zaïroise ezala ki kobangi sa armée presque belé Afrique. Effectivement, il y a parce que tozali kolobela gestion et armée pendant 32 ans. Okay. Et mais ici, on est dans les 31 à la fin, il y a armée. Okay. Mais il ne faut pas ignorer que, il y a 10 ans, il y a 13 ans, il y a 15 ans, il y avait une réalité. Et puis, il y a l'économie, il y a beaucoup de temps, il y a qui florissante parce que l'armée, il y a lié à moyen. Tu vois, puisque l'économie est allée se gringoler, il y a l'économie, l'armée, il y a la tendance à l'économie. Il y a mis balé. Fait historique, mon souci intéressant, où on dit qu'il faut observer et puis tout faire observer. C'est quoi? C'est que, en fait, le 17 mai, ils allaient vengeance, il y a le Lumumiste sur le Mobutiste. Parce que ce qui est au Tali, Mouzé, c'est un des Lumumistes. Où Wapi, Mobutu, à Salaki, Bango coup d'État, ba Bengani, ba Lumumiste, ba Misusu, ba Koufi, ba Misusu, ba Kimi, ba Misusu, ba Keba exil. Alors, tango projet à revanche et il était de bonne loi na batena. C'est pourquoi j'ai dit place on a boyo kanizalité moi moke malam ou peut-être tokoka ki koloba lolenge moko, c'est-à-dire que moi je considère que Mouzé il n'était pas le maître du projet. Moi je crois qu'il était un recruté. Projet ya Afdel, ezala ki ya yete. Même casting wana, même kocha chef d'état-major, oyo wana, ya Rwanda awa, je ne crois pas que c'était sa volonté. Pourquoi? Parce que, azala ki moto oyo, ba zui ba memi. Pourquoi nazako lobango? Nazako se faire soutenir d'abord que Mosé Laurent Désiré Kabila, il n'avait même pas de moyens financiers oyo yako, mema, un projet à rébellion, il y a dimension wana. Personnel wana, ambition wana, vision wana, il n'en avait pas les moyens. Et puis, Yami Balé, ce que l'on dit, Ningalobi, si l'Ouganda était derrière, le Rwanda était derrière, donc il y avait des États au Bazalaki, Nakatia complot. Mais un seul individu qui n'était qu'un exilé quelque part,
Comment ils pouvaient prendre un dessus, le dessus sur des États pour qu'il y ait Azala au top? Moi, je continue à croire que c'était un recruté juste pour le symbolisme. Bamonake, c'est une affaire des Congolais qui sont en train d'aller libérer les Congos. Et Yami Tsatu, Nozokoloba, Lulenge Moko, Nanfumototo, mais avec mes propres termes. C'est-à-dire que quand on y va dans les faits, Dati Alelo, Elingi Kolakisanini, Mokolo Oyo, armée zaïroise, Babenga Nakabango. C'est comme si nous allons prendre la même date, tous célébraka, bah armée Nabiso, nous célébrons quoi? La force de nos armées, ou bien nous célébrons la faiblesse ou l'échec de nos armées. Parce que dans le symbolisme, la date ou la journée fériée, la science politique, ezali na symbolisme na yango. C'est-à-dire que dans le fait, il faut fait et balana na concept. Mais si ko ozo oboza ko pesa mokolo yango ezala ya ba corps d'armée na biso, mais ceux qui te examiner le fond ce qui s'est passé ces jours-là, c'était l'échec de nos corps armés. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons fêter, nous pouvons célébrer, nous pouvons retenir dans le symbolisme l'échec de nos armées to komisa yango journée moko ya ba force ya ba armée na biso? Vous proposez quoi? Non. S'il faudrait que nous puissions célébrer nos armées, Toluka, Mokolo Moko, Oyo Bango, Basala exploit. Ok. Tu vois, bah gagnant, bah Botola, bah inquiéta, Yangonde, Ekozala, symbolisme, langagère, na mission ya armée. Parce que awa, le 17 mai, na mission ya armée, Ezali en antipode, c'est contradictoire. Le 17 mai, c'est le jour de l'échec de nos forces armées. Parce que, à Tatobenga qui a nos forces armées à Zaïre, à l'époque, nous, nous étions les Aïrois. C'était notre armée qui avait échoué. Mais, or que l'échec, Yohana, Ezali mission à armée. L'armée est appelée à protéger, à garantir toutes sortes de menaces pour que Mboka. Et boto la maté, mboka, ezala mobimba, mboka, ezala na. Ce qu'il faut relonger en célébration, journée à célébration à la force armée, que faire du 17 mai? Le 17 mai, on n'a pas besoin, parce que l'histoire peut, babo sanakango, te, bachanja kango te. Nous devons maintenant chercher, contenir oyotozali na yango, qu'est-ce qu'il faut donner comme symbolisme pour na état na biso. Total et la journée wana. Est-ce que Tokoki Kobengango, par exemple, une journée d'une. Parce que révolution aussi, ça ne va pas bien tenir. Parce que si on va parler de la révolution, ça va être beaucoup plus complexe parce que Afdel était une agglomération. Et des Congolais et des étrangers. Or que ceux qui t'ont eu combo et la révolution, t'ont pessi et qu'aussi battaient. Parce qu'on pourrait parler de la révolution si c'était une affaire congolo-congolais. Ça pouvait tant soit peu ou là tant d'autres. Mais quand il y a déjà une présence étrangère dans l'affaire qui s'amène, ça devient compliqué. C'est pourquoi le Kwatoza na émission, je crois que comme politologue, c'est un devoir au Yopé Singaï, n'a qu'un de réfléchir quel est. Symbolisme toko kopé sa na date ya lelo parce que ça existe. Très bien. Voilà. La réponse à ma question par rapport il y a bureau définitif et assemblée nationale et tout ce qui se passe na kati ya union sacrée lecture na ezali en 2 minutes pour topé sa en 2 minutes. Vraiment je suis en train d'être regretté. Nazo regretter cette classe politique. Je crois que Fumutoto comme il est l'air communicateur. Il pourra peut-être n'ayokayer pour n'a comprendre qu'est-ce qu'ils veulent de la République. Parce que union sacrée, c'est un fait privé. Mais la République, c'est la République à nous tous. Mais quand vous regardez à l'ère actuelle, on dirait union sacrée, Azali qu'on se confondre
dans l'État congolais. Comment une classe politique, Oyo, Bobanda Kiliboso commissaire la locaux la plateforme politique, Boye Bokomi plateforme électorale, Bosali coalition, Bozui ba majorité, vous ne parvenez pas à avancer pour mettre l'État en marche. Moi, je crois qu'il y a un problème sérieux. C'est où le problème selon vous? Est-ce que ça problème il y a ambition? Est-ce que ça problème les problèmes des ambitions et ça diabolique était. Na makambo etali politique, les ambitions, il y a pas des actions sans intérêt. Okay. Nous ne refusons pas. Mais ngai nazo interpeller bango. Baye ba kosa la différence entre un fait privé et l'État qui doit gouverner pour résoudre les problèmes de la société. Ici, c'est comme si l'Union sacrée, qui est un fait privé, a pris en otage la République. La République doit exister, la République doit fonctionner. Mais si les lots, un fait privé décide de ne pas installer le bureau définitif, c'est aberrant. C'est aberrant. Or, ce qui devait être, parce que, Ezali, na science, ou Ezali Kolobake, ce qui devait être nos représentants, devait être des hommes épris des valeurs, le meilleur d'entre nous. Mais comment vous regardez, pour des raisons des ambitions, ou yongana se considérer tekeza mabe, on doit vraiment faire arrêter l'appareil étatique. Non. Très bien. Merci beaucoup, Malambo. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est quoi? On a déjà un premier ministre qui a été déjà nommé. Mais nous devons l'écouter. Il y a un moment plus intéressant au Tozozela. Il y a programme, il y a gouvernance. Mais la dame là ne peut pas aller. Parce qu'il attend dès l'Union sacrée un fait privé. Basilisa, Geger Nabango, va installer bureau définitif pour Yéaya, pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Le temps pour Union Sacrée ne dit rien. Je crois que au travers Fumutoto, nous allons connaître. Est-ce qu'il y a une confusion entre l'État et l'Union Sacrée, ou bien franchement, c'est une façon de ne pas savoir la mission? Il y a détention, il y a majorité, ou bien il y a détention, il y a pouvoir. Merci beaucoup, Malambo Kamaton Domingi. 5 mois déjà. Où t'as tata mon caméco la prédéque serment. Ndeko Fumutoto. Est-ce que Mboka et Koikiko Téléma, parce que Union Sacrée, Nabatonae, quelques personnes, Bazoyo Kanate, est-ce que ça signe à Mabé déjà pour la deuxième mandat à tata mon caméco? Et pourquoi silence n'est? Nous apprenons, n'intérêt à ma média que Rukutana présidium Lelo, oh, Toyoki. Pourquoi silence? Merci. Le boko likolo ya motema na sana moi réplique na makambo focus à l'obie après nous avons la question. Albi armée à mouto go vous allez m'accasser parce que elonga maki. Ce qui réel à longi Barça elongo li makasa à Barça pour que longa na finale. Principe ya guerre des aboy ne peut gagner que celui qui allait perdre. Et ne peut perdre que celui qui allait gagner. Fumutu tona de focus basali débat politique, ce sont des politologues. Si sur un point a gagné, il est faible. Toi a gagné, il est faible. Parce que ce baligné, maman que tu as gagné, c'est qu'on suppose qu'on y a eu, Ce qui des avocats babouni na procès moko. Au long parce que tu allais perdre, ce que vous avez marqué c'était. N'est pas ce principe on voyait bien. Donc s'il n'y avait pas une force armée na Congo, pourquoi basali la qui dikita? Non. Mais cette armée a une histoire. Votre armée a une histoire. Na Tchad. Na bande d'Azou. Qu'est-ce que Kagame et Kadhafi a dit? Si j'avais une armée comme l'armée zéroise, je peux défier les États-Unis d'Amérique. Vous savez? C'est l'armée là. Non. Mais Abiy Ahrimane et les autres, vous connaissez les sorts que vous leur avez réservés ici. Focas, s'il vous plaît, vous êtes politologue, ne soyez pas tenté de falsifier l'histoire. Force
démocratique pour la libération du Congo. C'est ce qui a fait que l'armée s'est liguée. Et l'autre chose que l'armée Kweya, c'est parce que tout le monde n'était plus d'accord avec Mobutu. Et surtout que l'opposition politique, l'opposition armée, a yeba ki ko yiba bongo opposition, opposition nan armée, tango, mouza comme nan Mbujima, et tout n'y est question. Rapport na yona leader Maximum Félix Antoine Lane, le président. Alors, nous avons les mêmes ennemis communs. Ok. Le fond de l'opposition, c'est que lorsque Afdel arrive na Kisangani, qui est-ce que Batou Afdel Bandao Tchaba gouverneur? Yagi Sitolo. C'était un fervent membre de l'IDPS. L'opposition non armée a accepté. Et l'armée a accepté que trop c'est trop Mobutu Ake. Mais dire que c'était parce que les Alaki Force c'était. Mais non. Bosani Guerre, Chapa, Bosani Mobutu a fait face à beaucoup de guerres à l'est du pays. Notre armée était toujours puissante, forte, même jusqu'à aujourd'hui, à part l'infiltration. C'est lorsque des généraux ont accepté de vendre le plan de Barébel parce qu'ils ne voulaient plus de Mobutu. Vous connaissez ce qui a occasionné la mort de beaucoup de généraux. Donc, même vaincu, l'armée américaine a connu ça échec dans la guerre à Vietnam. Ça signifie qu'elle n'est plus puissante. Non, de quoi vous parlez? Deuxième élément. Yo lobi, budget zalaki mouke, l'armée ne pouvait être fort. Ne confondez pas le point de l'argent durant les siècles. 3 millions de francs de dollars, il y a tant que Mobutu, et qui koleka 30 millions de dollars force. Parce que l'argent ne garde pas le même poids dans le marché. Prenez tant que tous ans Mobutu, par exemple en 1997, celui qui avait 1000 dollars allait au marché. Le 1000 dollars de 1997 avait un poids d'achat, un poids économique plus que le 1000 dollars d'aujourd'hui. Et tout n'a pas économique, c'est pas quoi, c'est ok. Ce qui coûte 1000 dollars aujourd'hui, l'équivalent, c'est Bambongo Yakala. Parce que l'argent de cette époque-là, il y avait une production à l'agriculture. Mais aujourd'hui, si vous avez l'argent, 3000 dollars, mais qui ne repose sur aucune production à l'interne, ils n'ont pas valeur ni. Et puis, lorsque notre budget était à 3 milliards, il fallait tout dans le budget à Rwanda, des Aïkina Tangwana combien? Il fallait tout dans le budget à Ouganda, des Aïkina Tangwana combien? Des Aïkina Nansé. Oh, la force, c'est par rapport au temps. Ce n'est pas dans tout le temps. Au gros de la force, les par rapport à Baninga, non, par exemple, dans le quartier Mubimba, aux Anandako, il y a premier niveau Kayomoko. Anatana Batumusus Batonga, qui est plus riche, Nabandako. Mais nous parlons de la force de l'armée congolaise par rapport aux forces de l'époque. Et vous soulevez un problème du budget. Alors dites-nous quand vous allez prendre la parole. Budget à Rwanda, budget à Uganda, budget à Angola, cette époque, vous allez combien pour tous ceux qui sont sur l'armée de Bangui Koukou Lekadou Somakas. Maintenant, qui a fait. J'ai déjà donné toutes ces tendances au Yokolaki, mais tu as fait, vous avez fait les sciences politiques avec moi. Il y a un insistant, Naïniki Nasaki, mémoire, n'a déjà les maquis de Moussa Laura Désiré Kabila avant à comme président de la République. Ceux qui Moussa Zaki exilé, est-ce que le Kolo a été Ngouma? L'Issa, c'est vrai qu'Azaki n'a malade de Bosso, Dixit Tomaloaka, c'est un historien qui vient chercher en histoire, je ne contredis pas, mais Ania qui soucialise ça, c'était. Azoa qui a un mot la guerre, c'était bien avant. Ce qui bakende ki koloukaye, Azra qui est exilé, mais pourquoi baye koloukayote? C'est ce que j'avais dit. Que même si vous démontrez que ce n'était pas lui, mais est-ce que Nanga l'argent à lui seul de faire une rébellion? La rébellion, le principe est bien haut. Comme la rébellion relève du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il n'est pas interdit à une rébellion d'avoir une arrière-base dans un autre pays. Vous savez, juste, mais il faut nuancer, avant la signature de la charte de l'Union africaine et la charte de, comment il y a une deuxième là, où tous les pays membres de l'Union africaine et de la sous-région, ici, non, encore cadre d'Addis Abeba, nous avons déjà signé que Tomi Longo le pouvoir d'être un pouvoir régulier, mais qui soutient une rébellion dans un autre État. De Kagama Salakabouye, ceux qui ont 23 acquis de rébellion, ils ont violation, il y a Corouana Toussignac, il y a Corouana d'Addis Abeba et même la Charte de l'Union africaine. Avant l'instrument Ouana, il n'était pas interdit
à quelqu'un qui fait la rébellion. Mais je suis d'accord avec vous parce qu'on ne peut pas faire une rébellion sans une main extérieure. Parce que pour sa rébellion, il faut dans l'arrière-base au cas où pouvoir et manquer au Kima. Mais au Kima, l'intérieur du pays, et on rébellion va se toujours côté frontière. Et ils ont payé sa faveur, régime favorable dans ma ventine. Pourquoi rébellion et bandaka biso awana kamakote? Pourquoi et bandaka biso awana l'équateur était? Je crois l'équateur est là, mais qu'est-ce qui m'a quitté? Mais pourquoi bandana? C'est parce que généralement, opérateur au bazar derrière, minerais à la kuna. Et puis, bamboka on est favorable que des ordres à la et barbe sur la monique monte pour quitter bakimi kuna. Mouzé reste quelqu'un qui a une histoire réelle et vraie dans Mboka Nabiso. Maintenant, na tourne na mema le kam. Yo tourne qui question à retard, peut-être que je évoluer la question. Au tourne qui question de installation du bureau définitif hein. Et on s'en met la question non c'est longa qui déjà tout etika qui déjà makamba retard les alaki. Faut que ça zongi sibiso na retard na kamoyo mogo lande sokona. To répondre na ba cause à retard pour te répondre. Non, des caméras d'installation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme installation à bureau, puisque l'installation voilà. À bureau n'est bloquée. Dans le bas. C'est quoi? Des caméras, vous savez, en tant que politologue, dans le bas, et là, où ils ont à la base, ils ont dans nos constitutions. Ils ont l'émiettement des partis politiques et absence des partis politiques et idéologiques. Et absence des leaders crus par la puissance de leur vision, mission et fondement politique. Parce que lorsque tu as l'élection en 1960, via la loi fondamentale belge en 1959. Tout le monde a deux campagnes, la campagne constituante et la campagne législative. Il y avait d'un côté les unitaristes et d'un autre les fédéralistes. Je crois que Foucault se m'a rejoint, maintenant on a cette analyse symbolique ou spirituelle en disant, mais comment expliquer que FDL est côté le 17 mai, moi, Oyo Mobutu, c'est avec un nouveau régime, le 20 mai 1965. Et Foucault a bien révélé encore davantage que c'est le jour où les Lumumbis s'est vengé sur eux. Et ça s'est passé les mêmes mois. Ce que tu as dans le discernement, tu vas comprendre. Tu as dit que tu as quitté 3 jours avant, tu as dit. C'est que ceux qui ont analysé ces politiques, ils ont compris que les mois de mai, et le mois de janvier, et ça, dans la vibration spirituelle, c'est que tout coulé en haut dans la date. Je suis d'accord, comme il a complété ce que j'ai dit, qu'on ne peut pas prendre la date de la défaite nationale de l'armée, qu'on coupe ça en armée. Là, vous couronnez l'armée dans la faiblesse. Parce que date, anniversaire, symbole, il faut un esprit ni beau transmettre. Et ça fait partie de ce que nous appelons l'esprit de l'État. Donc, on a un comme dans un pays développé, sauf qu'en Belgique, au commun atomium. Sauf qu'en France, au commun à tout refaire. Tout ça, ce sont des symboles. Oh, Ezako, ça, la namitu ya batu. Mais biso, monument, to ki pété. Mite, to ki pété. Et badat, to ki pété. To zozoa, le 17 mai, to pesa angona, et fardese. Alors que c'était la date de l'humiliation de fardese. Qui était à cette époque la phase. Chuté, mon ami. Donc, alors maintenant. Est-ce que temple Union sacrée. Voilà. Et là, on est né Salemi. En Angola, en Afrique du Sud, s'il y a élection, c'est un parti à lui seul qui gagne plus de 50%. Ici, la majorité du peuple congolais, on ne sait pas, elle est où. La présidentielle, oui, 73,47. Et puis, Samina, candidat Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, notre président. Il n'y a pas de débat. Le peuple s'est focalisé. Focus. Maintenant, majorité parlementaire peut faire ça qui a un anan. Namoutouté. Le plus grand parti dans la législature actuelle, même moi et les gars qui, n'aura pas plus de 125 députés. Sauf erreur de ma part. Ou bien plus de 150. Ça signifie que le peuple congolais ne croit à aucun parti. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a un gouvernement, il est difficile d'avoir une vision claire d'État parce que Mboka Bata Musakango n'a vision d'un parti politique, d'un regroupement politique. Regroupement Linkoloba, tu es dans la tendance idéologique. Coalition Linkoloba, tendance politique est mis balé, mais on a gagné l'élection présidentielle, on a perdu la coalition. Et le gouvernement le plus faible que le monde a connu,
qui n'a jamais réussi la science politique, sauf exception, parce que c'est un débat d'idées, c'est le gouvernement de coalition. Donc, le gouvernement Tosé, là, du point de vue des sciences pro, c'est un gouvernement faible, où le chef n'a pas le droit de décider sur les personnes, les critères. Parce qu'en 80%, 60%, bateau, bakozala proposé, pas naïe, via les regroupements politiques. Ce n'est pas facile que Sangisa Mitou, y a bateau à la même idéologie, même élite politique, même passé politique, les mettre ensemble. Retard et Aribosu Zali, absence des partis politiques idéologiques ancrés dans le peuple. Le peuple ne choisit pas les partis, ne choisit pas les visions, ne choisit pas les programmes. Mais les projets de société, le peuple choisit les individus. Et c'est déjà un problème. Et c'est pourquoi Monique, pourquoi ça tarde? Parce qu'il y a des personnes, oh, ce qu'il y a dans le gouvernement, c'est un problème. Alors, ce qu'il y a dans le gouvernement, c'est un problème. Ce qu'il y a dans le gouvernement, c'est un problème. Au bon de la ça prend du temps. Sinon, on va le menacer, on va traverser. Et ce qu'il va traverser, ça peut déstabiliser le régime. C'est quand tu as l'union sacrée, les huit temples, la bûche à la démocratie en otage. J'arrive. Deuxième raison. Deuxième raison, Zali. Caractère léthargique et appareil juridique ou loi Nabisso. Informateur pour kaka identifier une coalition. Il faut vraiment passer 30 jours renouvelables une seule fois. Article 78 de la Constitution. Alors, tant que vous avez la bonne banane. Les petits partis qui ont chacun 30, 20, 15, ce qui ne se fait pas dans des pays de vieille démocratie. Na Angolaise, la Gabor, moko ezui bor moko perdre. Na France, la Gabor, moko ezui bor moko perdre. Na Afrique, c'est la Gabor, moko ezui bor moko perdre. Biswa wa, mutu moko tana na niveau législatif et dans la mutu moko tana suffrage à peuple congolais poche na. Il faut que bon de là. C'est du temps. Troisième chose. Après les élections, nous avons dépensé plus d'un milliard 200 millions de dollars pour les élections. Tous les députés impayés, nationaux comme sénateurs. Tous les fonctionnaires, hauts fonctionnaires de l'État, mandataires sont impayés. C'est qu'il n'y a pas l'argent, ni tété la clairvoyance de la Direction générale des impôts, la DGI, avec le DG Barnabé Mouankad. On a dit que Asali Moussala Mounene, on a tombé les mêmes rats, par exemple, le ministre des Finances. Il y a un outil pour mobiliser Sikoyo, 1 300 000 000 dans le mois d'avril. Je pense que ce que je veux dire, c'est que bouger Sikoyo, pour que les gens aient la caisse. Comment on peut installer des grandes institutions comme ça, installer le gouvernement, installer l'Assemblée nationale, installer le Sénat, s'il n'y a pas l'argent? Moi, je pense que le problème financier s'est posé aussi. Enfin, Nakosu qui s'en a correspondu, maintenant il faut casser, mais yo, ça politique le bon côté. La architecture politique moderne est allée à la confusion entre l'effet politique et l'effet privé. D'abord, un parti politique, c'est un fait privé. Et c'est le parti politique qui bat campagne, qui gagne les élections. Un indépendant, c'est un fait privé. Et c'est l'indépendant qui devient chef de l'État, c'est le parti, les membres d'un parti politique qui devient député, sénateur. C'est un fait privé qui entre dans l'effet public. Mais je voudrais nuancer que l'union sacrée est à la fois un fait privé et aussi devenu public. C'est-à-dire constitutionnel. Parce que l'article 78 de la Constitution dispose « Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire qui est constitué bien sûr des députés issus du fait privé, mais qui devient des parlementaires comme personnage public ou mandataire d'État. » Si c'est, après consultation, si c'est une telle majorité n'est pas, il confie une mission d'information à une personnalité pour identifier la coalition. Et la coalition est constitutionnelle. Maintenant, déjà identifiée. A-t-il qu'elle fait privé? Si oui, fait privé public. Sinon, les deux, est-ce que c'est qui pose le problème? Est-ce qu'elle fait privé dans la carte d'affaires publiques ou bien le fait qu'il y ait autre que ça, la soeur qui résout le problème à peuple congolais? Voici mon point de vue en tant que politologue. Pour moi, tout est bon, parce que moi, je n'ai pas étudié le droit, l'état des droits. Moi, je suis expert en sciences politiques. Pourvu que, après avoir dribblé les adversaires et même les ennemis politiques, que lorsqu'on a le pouvoir, qu'on ne l'utilise jamais contre le peuple. Et que tout ce qui sera fait dans un état, en retard, à temps, conforme à la loi ou pas, si le peuple se retrouve très bien
dans le présent, dans le futur, je soutiens. Merci beaucoup, moi, Lamboka, Tokomina, Souka, émission, on a repris un décofocus. Mot de la fin, on a eu pour l'émission, on a eu l'autre, dans la situation telle que 5 mois après l'élection, le gouvernement est vendu à noter, l'institution est vendu à noter, qu'il y a entre Baïk et Soussoukou dans l'Assemblée nationale, le présidium, il a imposé le candidat, l'installation, et ça, il y a noté, ce que vous avez qui est le tata mon grand école lelo oyo azwaki bongo 73% conseil ni l'europe c'est tant que politologue. Merci rapidement en tant que politologue na tout kende koyi sandiko fumutoto que ce qui alingi a rebondir sur les propos de co-débatteurs il faut ayoka et bien j'ai pris les pouvoirs de Mobutu, j'ai étalé ça sur 32 ans de règne et puis j'ai donné des âges yaba armée les corps armés vous boutiennent. Na une année, na 10 ans, na 15 ans, na 18 ans en haut, ils allaient qui bah armés oyo, ils allaient qui na possibilité. À l'époque aussi, il y a une économie qui était florissante, qui accompagnait les forces armées. Mais ici, nous étions à la conclusion des 32e année, il y a Mobutu. Armée à Mobutu, na 30 ans, il en haut, 31e, 32 ans, c'était une armée affaiblie, désordonnée. Il y a des documentaires de Kofumutoto. Quand on est politologue, on est chercheur. Quand on est chercheur, il faut chercher des instruments pour l'information. Il y a des documentaires. L'armée était au front, démobilisée, désorganisée, pas de commandement réel, pas de munitions. Parfois, armée et moussoussou, munitions moussoussou, rations et alités, bazoko, ça va rapport ici à Kinshasa pour dire que autant de troupes bazana front, mais en réalité là-bas, ce sont des déserteurs, bakimana bango, voilà, ça ce n'est pas une armée forte. Et je n'ai pas nié que tout au long du parcours, à Mobutu, Atikala Kobimisa, armée forte, j'ai donné des âges. Il faut au kangapié pour au contredire ngamalam ou sinon ça sera une bonne façon de faire de la contradiction inutile. Yami Balé, vous voulez présenter l'économie il y a 32 ans à Mobutu comme étant florissante, mais c'est faux et archi faux. Je dis bien il y a des âges. Mobutu a fait 32 ans, mais tant que tu commis 30 ans, 31e, 32 ans. Le budget national, c'est 300 millions de dollars. Le budget est 300 millions de dollars. Il y a Tango Wana et Zalaki Mbongo et Bélé. Mais entre-temps, aux Obosanake, c'est la période où il y a grogne sociale et Mataki na Congo. Il y avait des impayements partout. Nzalaï Koti, Piaget, Robébi, sa économie, tout ça, Tissunio. Il n'y avait pas 300 millions. Il y a les Rwanda et Zalaki valeureux que les Kaelelo. Ça, c'est quelle analyse, Ndeko Fumutoto? Reviens un peu avec ta tête dans l'histoire. Parce que avantage tous en envoie à toi, à Massolo, à Léopoldville, peut-être tous à la qui t'en a. Ici, la période de Mobutu n'a fait naïe, bis tous à la qui. Nous n'allons pas dire que année 1997, 1998, 1995, ici il y avait une économie florissante. Mbongo Mobutu, ils allaient qui. Non, 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 non. C'était période, il y avait vache maigre, ils allaient période, il y avait un paiement, ils allaient qui période, il y avait Yanzala. Namboka oyo. Donc, c'est ça le vrai débat que je vous amène. Moi, je suis quelqu'un, quand je parle, n'a pas utilisé le mécanisme, il y a rationalité, épistémologie est vendue. Je sais mesurer la dose de mes propos. Il y a mis ça tout. Ndeko Fumutoto, ce qui est Real Madrid, Azali équipe à mon aîné, et que Bokei, jour y a finale, Apoli na vita imana. Na vita to imana. Mais parce que c'est une compétition, la règle veut que le plus fort gagne. Je ne dis pas que Real Madrid de soke Apoli na finale, Azali forte. Mais ce que je m'interdis de dire, c'est que je ne peux pas dire qu'il était le plus fort. Le plus fort, c'est celui qui a gagné. Donc pour me contredire, il faut yo kafumutoto, ça c'est focus. J'ai dit, cette armée Oyoana, Azala qui est faible par rapport à la coalition. Wana. Il y a un rapport de force qui s'est imposé et a tranché l'affaire. On l'a chassé. Mais comment tu vas représenter comme il était fort? Comment tu vas présenter une armée qui fuit, le président part
ont présenté effort par rapport à qui? Par rapport à cette armée qui a combattu contre eux ou bien par rapport à quelle armée? C'est ça, même au PS exemple. Mais Vanda pena la rationalité, Vanda pena l'épistémologie. Non. Les Kamboya, situation à se présenter, il est de l'Union sacrée, je ne pouvais qu'attendre de lui cela. Et oui, il y a une confusion entre fait privé et fait public. Mais la mission, allié bien, on a tous les doctrinaire, l'éthique, la déontologie de ceux qui détiennent la majorité, c'est de servir les peuples. Mais comment vous allez servir les peuples? En allant aux antipodes de la gouvernance. Parce qu'il y a Yébi, que parmi les éléments de la gouvernance, il y a les temps. Il y a les temps. Mais comment pour l'intérêt général, vous négligez l'aspect du temps? Vous qui êtes privé, confondu avec le public. Donc c'est-à-dire que dans votre éthique, dans votre discipline de gouvernance, vous ne connaissez pas l'élément managérial du temps. C'est ça le vrai problème, Fokutoto. Ne nous amenez pas des théories inutiles. Vous faites une coalition. Madame, il y a 4 types de coalitions. Il y a la coalition majoritaire. Il y a la coalition quasi-majoritaire. Il y a la coalition soutien à la majorité. Il y a une coalition qu'on appelle coalition aux aguets. Ces gens de coalition, politologue, étudiant, tient la place, peut-être les gens ne sont pas informés que ces instruments existent. Et ça dit existence, il y a tout fou, donc embrasse tout. Wana. Quand vous embrassez tout comme ça, vous avez une majorité écrasante. C'est-à-dire que vous avez parti mon côté et s'imposer. Mais parce que vous devez atteindre la majorité absolue, c'est-à-dire 250 plus 1, il faut ce que vous savez, il faut 30, 12. Tout ça, on donne maintenant ces instruments. On dit voilà ce qu'il faut faire pour gagner le temps, pour gérer les ambitions et pour répartir des compétences. On vous donne des instruments, mais vous n'utilisez pas ça au niveau de l'Union sacrée. Est-ce que c'est par manque d'information? Est-ce que c'est par manque de volonté? Ou bien c'est quoi? Parce qu'il y a Yébi, quand vous êtes devant cette situation, d'attrape tout, c'est-à-dire que il voulait bien, hormis la présence d'une opposition minimaliste, il voulait être grande plateforme de la République. Mais il fallait mettre aussi des grandes intelligences de la République pour que, en attrapant tout, que vous ne puissiez pas être de ceux qui vont souffrir, de ceux qui souffrent. En embrassant tout, vous allez mal éteindre. Il faut maintenant utiliser ces instruments de Sciences Po. Toi, tu es politologue. Tu pouvais bel et bien amener ces notions pour les dire que voilà nous en sciences politiques. Comment on a étudié pour dire que quand vous êtes face à cette réalité que l'Union sacrée a aujourd'hui, voilà, nous devons identifier d'abord quelle est la coalition majoritaire. Après, nous identifions la coalition quasi-majoritaire. Soutien à la majorité et la coalition aux aguets. Merci beaucoup. De ces faits-là, ils seront informés. S'ils ne connaissent pas par le fait de la formation, tu vas maintenant expliquer pour dire que non, pour que nous puissions gagner le temps, regarde, les principes, les règles, les normes, la doctrine a déjà prévu. Parce que la science po, vous savez bien que c'est un instrument pour la gouvernance. Mais comment vous allez mettre ça à côté? Vous commencez maintenant à pleurnicher pour dire que chacun a ses ambitions, et chacun, mais chacun a ses ambitions. Mais il y a des instruments pour mesurer, pour quantifier, pour orienter ses ambitions. Merci, vous ne faites pas avec ça. C'est ça, au fait, que je réclame. En attendant, il y a une différence, il y a une différence épistémologiquement. Il y a une différence entre un élu et un député. Fumutoto, il est vrai que dans les débats que vous voulez mener, privés et publics, mais nous pouvons appliquer ça avec ces deux concepts, élu et député. Quand on est député, on n'est plus privé. Quand on est élu, on peut appartenir à son parti, on peut appartenir à son regroupement. Mais quand on est député, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez vous interdire. Très bien. Merci beaucoup, Mboka Ndeko Fumutoto Malubasu Kopainayo. Est-ce que vous avez l'impression que Mboka est bloqué? Mboka est au tambo la malamote. Ceux qui ont acquis le bosso à Tata Mokambiekolo, l'élo, la situation de Zalango, conseil européen.
avant de répondre à la question, il faut castiquer pour créer ma doctrine. Il faut que tu aies une séance politique qui est peut-être très courte. Effectivement, s'il vous plaît. Effectivement, il faut que tu aies tranquille. Au moins, tu ne me nies pas la qualité des politologues. Je l'ai été avant vous et je le suis après vous. Donc, s'il vous plaît, majorité quoi, majorité. Coalition majorité est dans la constitution. C'est faux. Je vous répète l'article. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Point. Alinéa premier. Si une telle majorité n'est pas, il lui confie une mission d'information et une personnalité pour identifier la coalition. Deuxième alinéa. Et la majorité, la coalition majorité, tu as ramassé ça où? La science politique tourne la constitution. Je réponds. Non, non, tu nous réponds. Mais je suis dans la doctrine. Moi, je suis dans la doctrine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La majorité dans la doctrine, c'est lorsqu'un seul parti a plus que la moitié des députés. La coalition, c'est lorsque une tendance idéologique, parti politique n'a pas eu et qu'on fait ensemble. Hein? Alors maintenant, il ne sait pas, il ramasse ces quatre coalitions, tout ça. Oh, s'il vous plaît. Tolérance, mon avocat. Aberration, les alliés, masturbation. Nous sommes des chercheurs, là où vous ne connaissez pas, vous apprenez, c'est pas mal, mon Toto. Papa Nangaï, j'étais calme quand tu parlais, tu as peur. Donnez-moi le temps de t'expliquer tout ça. Dans Mobutu, Azolo, on a pouvoir, crise, c'est là qui était le coup des assicots. Là, je vous défie et je vous donne les références. Carton en piodi, c'est là qui 3 dollars. Et non, pardon, va bien aller. Oh, ils ont un carton, carton. Ils ont mis ça. Nani, sachez moi quoi, il y a carton. Ils ont 3 dollars. Et mon bimba carton, ils ont 10 dollars. Dans Mousaïe Koya, tala tango toza ko zoango pesa ba pri wana. Zoa siko carton en piodi lelo, ils ont combien? Donc, bah, il dépense ba kosa na ba. S'il vous plaît, mais non, s'il vous plaît. Mais parce que tu as fait le génie de l'histoire, oh, on a vivre na yo et qu'on a vivre avant. C'est faux. L'opposition était pour rien. Natango ya mobutu mbongo na ko circuler makasi ko leka natango tozali na circulation mbongo c'est-à-dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et quoi vous faites là combien? Pour opé sa bat histoire à bien, to benga ta niko fa ya sunga yo. Oyé ba kola vous faites là combien pour comparer ba na ni ça aberration. Ta la yo moko. Olobi opé singa inde les as de l'armée de Mobutu. Mon pensa qui thèse. Comme le budget était lancé, armé au cas où la fille m'a cassé. Or, d'après l'histoire, on peut dire que l'Okuta, ce qui n'a pas bimé à Mobutu, budget est avec 300 millions, l'armée faible parce que le budget est coquitté. Mais quand est-ce que l'armée a pu être florissante, au moment à ces années précédentes, le budget est avec lancé. Oh oh. Ça ne tient pas. Comme ça ne tient pas. Mais parce que tu as lié la puissance de l'armée à la grandeur du budget. Alors que le budget que tu as inventé à Souka, qui est faux, parce qu'ils avaient 700 millions, ils avaient 300 millions, ils avaient le Kouta. Parce que Gizeng a Koutaki, Mouzito a Koutaki, Kendo Tounadov, Mouzito, ils avaient 300 millions. Donc, tant que Mouzito a coûté 800 millions, Gizeng a qui a ramené à 700 millions, il a trouvé à combien? Mais c'est quoi, on a perso Maloba? Oh! Mais parce que on a Maloba, Gizeng a Zamu Tualiboso, il y a comme ma budget en Boko, on a 1 milliard, pour votre information. Ah voilà, c'est le Palou arrivé au pouvoir qui a amené pour la première fois 1 milliard et le président Tshisekedi a mis 10 milliards pour mati. Biloko zoluba na ebite zola ora masaka ngona science politique. Alors, batouni biso fait privé na fait public, tala ba théorie na ya bas étage. Oh, faut pas confondre un élu et un député. Un député est un élu. Un élu devient député ou sénateur. Je lui ai créé un problème. Et il y a des processus, élections, des processus, et ma Kamoto, n'a pas eu un combat député. Je lui ai créé une doctrine, mon roi, un débat. Tolobi Boye, Lokande Yolobi Boye, c'est l'élu qui est la personne privée, c'est le député qui devient personne publique. Mais chaque personne publique, chaque individu public a droit à une vie privée, c'est la Constitution. Donc le chef de l'État n'a pas une vie privée. Donc pour na yozo muta comme député a longue na vie privée, azande na vie privée, sanga na vie publique. Yango ba bengi manater. Maintenant si parce que le baki
Union sacrée, il y a confondre vie privée et vie publique. Il y a un opposé qui est que parti politique, c'est la vie privée des individus, mais qui arrive et gère les institutions publiques qui a la vie publique. N'a pas su entités, au moins union sacrée, parlementaire, coalition parlementaire, et ça fait privé, c'est reconnu par la constitution, parce que Nakati n'a pas mis sa premier ministre. Et ça, c'est entité de Nassalio. Maintenant, tu es devenu très intelligent. Tu me reproches ce que tu fais, qu'avant de raconter, de contredire quelqu'un, il faut le raconter, alors que tu contredis l'ingaïté. Koloba après quelqu'un, et ça qu'on contredit yété. Na lobby na yo boyétèse. Le gouvernement de coalition, c'est le gouvernement le plus difficile parce qu'il s'agit de concilier les gens de différents bords politiques. Tu ne m'as pas contredit. Je n'ai pas contredit. Ça veut dire que ça a pris une partie du temps. Il faut utiliser les instruments. Bah, instrument, on est en mabété. Si c'est une nouvelle offre scientifique que tu nous donnes, tu es en papa, tu es en train. Mais quand on tient, on est la science politique, on est en recherche au sali, on est en science faux. Mais parce que n'a pas sûr, ni l'été, n'a pas la constitution, que la constitution, on ne parle jamais de la coalition majoritaire. Parce qu'une coalition est une chose. Une majorité est une autre. Article 78. Vous chutez, mieux vaut tard que jamais. Enfin, lobby. Il y a lobby. Les bureaux de l'Assemblée nationale vont afficher complet. Les tickets gagnants de l'Union sacrée et Zawana. Aïe Bissangaï. Ceux qui, tout ça qui est de l'autre côté, tout ça qui est conciliation de vie, mettre sa tente. Président du bureau, l'honorable Vital Kamer, vice-président, l'honorable Chilumbay, et puis troisième, le président, deuxième vice-président, le président Mbosso, et puis Tokiti. Ce qui te yoka n'a quitté. Tu appliques à qui méthode wana ya yo, ou bien tu salaires. Combien de temps vous d'accord, on a un goté, baba, député. Et puis, grand yézana, nous. C'est quoi, mais ça n'a pas l'an d'amour tout. Il y a même une pétition, contre le président du bureau d'âge. La pétition est constitutionnelle. Ce qui bat tout basse, ça signifie que l'Union sacrée soutient la démocratie. Maintenant, on retourne. Bande quoi, on a balobi, le président du bureau d'âge a coquille coquende, tina soukate, parce que yé mon corps, Azapé candidat. Oui, c'est fondé. Mais si Koyo, Balingi va installer un nouveau président d'âge. Alors que l'obin des bureaux définitifs que vous allez afficher. Bapé, sa bureau d'âge, on a combien? 10 heures du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps. S'il vous plaît, faut casser. Ce sont des difficultés que vous rencontrez. Mais c'est caca biloko, yo so koli non. Mutoazolo, mais même si vous n'êtes pas d'accord, écoute comme je t'ai écouté. C'est la fin de l'émission. Donc, na lobby na yo boye que. Sagesse à Mokoza Mboka et la Kisike, il est capable de mettre d'accord les divergences Nakati et Union sacrée. Mieux vaut tard que jamais, Magamboise Sili, Biroué Kobima Lobby, Nassene Koumilate, gouvernement Kobima, Foka sa commande à gouvernement pour corriger Bayre du passé. 1. Vision Mokoza Mboka Zali, unité, prospérité, sécurité. 2. Projet Naye Zali, les 6 engagements. 3 initiatives phares et 42 mesures phares. Et puis nous avons directement, Madame Judith Oyo Akoumissa, gouvernement, de quoi accélérer, peut de récupérer Batagnos. Mais tous les gouvernements de coalition dans le Congo et Oumelaka. Merci beaucoup, moi. D'ailleurs, il y a Ilunga Ilunkamba. Et bien, il y a combien? Et ça, il y a combien? Il y a un historien. 8 mois. Oh, il y a combien? 4 mois à peine. Mais et sa perte de temps. Mais alors, entre 8 mois et 4 mois, où est-ce que les gens ont capitalisé le temps? D'après Focas. Donc, le Focas, c'est un peu le banan. Ce qui s'aboye que, tout le monde a les 17 mains, et il y a les 17 mains, mais il a armé la bisoté. Ok. Ce qui s'aboye, c'est armé la bisoté. Ils ont mérité la date de la commémorer. Je suis d'accord avec lui, il a dit que, total à Moukolonini, et ça là qui prouesse, aux hommes, on a venu Gambela. Et ça là, bah, prouesse aux forces armées congolaises, zéroises à l'époque, et ça là, qui. Ndenge kendeki ko participer à la guerre mondiale. Les lobes mboke bileza na banyongo na biso. Total na kat. Mais on ne donne pas le nom seulement dans le passé. Nous pouvons aussi créer une date par rapport à l'ambition, à la vision que nous voulons de notre armée. Merci beaucoup. Mais toti kala kokou misango le 17 mai. Très bien, c'est la fin de l'émission. On appelle ça combo senga kinga parce que j'étais en train de réfléchir là-dessus. Donc oui. Ko pesa date le 17 mai, par exemple la date du soldat. Voilà, vous comprenez, la date du soldat, ou bien inconnu, ou bien la date du soldat tombé,
Tu vois? Ah, on est là d'accord, non. Les soldats qu'on est en France, non, qui ont tombé, qui sont tombés. Merci parce que beaucoup. Cette date-là a fait tomber les soldats de forces armées. Là, je mais suis peut-être d'accord. Qui ces soldats-là n'ont jamais été identifiés, là, je suis n'ont d'accord. jamais été commémorés, n'ont jamais été indemnisés. Oui. Voilà. Maintenant, on ramène dans un contexte historique pour que tout baptisé là, d'accord. Voilà. Mais pas la date. De voilà. toute l'armée, mais qui a perdu la guerre. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya diaspora éparpillée à travers le monde. Au côté d'un bon comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenokote, les managers, pour tirer la bande de Kombo. Dans ce là, il y a application sans doivre au Ezali. Très facile. Au côté échanger à partir à téléphone, au côté la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manila Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balay, zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Marambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.